Bonjour. RTL. C'est RTL. Mais putain, qu'est-ce qu'il a là un peu? C'est quoi? C'est quoi? J'ai dû la mort du 2. Voilà, alors pour ceux que j'ai pas vu, bonjour. Bonjour. Alors, on va passer l'après-midi ensemble. Et dans un premier temps, eh bien, on va aller visiter l'usine qui est là. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette usine? On le... Du bois. On met du bois, là, on fait quoi? Non, tout pas. On le... On le scie. Et les usines où on scie du bois s'appellent des... scieries. Alors, on va aller visiter cette scierie-là. Dans un premier temps, vous verrez qu'elle est ultra moderne. Quand on parle de quelque chose d'ultra moderne, maintenant, les machines sont mises en route, bien sûr, par des ouvriers. Mais qu'est-ce qui gère les machines, après? C'est très, très moderne. Bon, la mécanique, oui. Ordinateur. Les ordinateurs. Et voir que cette série, là, malgré vous voyez l'apparence un petit peu, bon, c'est une usine, c'est un bois, tout ça. Eh bien, vous allez voir la technologie qui est à l'intérieur. Je dis toujours, c'est un monstre de technologie informatique et mécanique. Alors, et vous allez voir, il y a un cylindre qui va descendre sur la grue, qui va calculer l'axe. Et automatiquement, eh bien, les conceuses vont se mettre en face. C'est un gros taille crayon, hein, si vous voulez. Voilà. Et automatiquement, vous allez voir, un billon. Ah, je vais le prononcer un billon. Parce que la grume, elle est divisée en billons, on verra tout à l'heure. Et bien là, il y a un billon qui va arriver. Ça vous intéresse pas derrière là-bas? Et donc on va voir, oui, il y a un plateau sur le côté là. Il va poser la grume dessus. Ensuite, il va se déplacer le long. L'ordinateur qui est à l'intérieur va calculer la longueur totale de la grue. C'est pas quelqu'un qui pilote? Si, il y a quelqu'un dedans. Mais c'est pas lui qui va faire arrêter où ça doit couper. Vous allez voir. Hein. Voir s'il n'y a pas des nœuds. Eh bien ici, on a eu des touristes qui sont restés de 1939 à 1945. Tout ce que ça vous rappelle, 1945. Il y a la guerre. La guerre. Il y a eu plein de bombes pour exploser dans les forêts. Et les bois ont été blessés. Alors ils passent dans un scanner, derrière, là-bas, dans un tunnel. Et s'il y a de la ferraille, eh bien ils tombent ici.